mettre là-bas, attends. On peut pas mettre sur le stand là. Bah. Oula, on peut mettre là. Ouais. On était là-bas. Donc on a été tous manger un petit couscous, hein. Ouais. Mais attention, hein, je suis pas arabe. C'est juste que j'aime bien les couscous. Ouais. Donc on va là-bas, on mange un petit couscous, donc tu vois, grosse merguez, gros poulet sa mère, tu vois. Le ouais, bon couscous qui te calme, tu vois. Trop bon. Bref. Ouais. Donc je fais quoi? J'engloutis mon couscous. Ouais. J'ouvre une bouteille de coca. Et je prends un verre de coca. Et en fait, mon père le con, explique, et regarde, retiens bien, mon père le con, ouais, il a fait un whisky coca. Donc moi, j'ai inversé les verres, donc j'ai pris le whisky coca, je l'ai bu en entier, mais je ne me suis pas rendu compte de que c'était un whisky coca. Donc, alors, je t'explique pas, j'ai été aux toilettes, j'ai gerbé, j'ai chié, tout ce que tu veux, j'étais en diarrhée, ça pue la merde, ça pue la mort. T'as envie de crever, je suis rentré dans la toilette. Ah, et c'est si. T'as un coup de... En plus, mec, il y avait les dents du couscous de merde. Oh. Que j'étais en train de rechier, mec. Et je vomissais. Et je faisais les dents. Mais c'est... Ah non, t'as mais pas... mec. Ah, mais c'est... Non, mais c'est si, mec. C'est un truc de fou. Et t'as pas une autre histoire, je vomissais. Ok, mec. Une autre histoire. Ça par contre, ça s'est passé super longtemps. Vas-y. Super, super longtemps. Vas-y. Donc alors, je sais pas si... Ah, merde, je sais plus comment ça s'appelle aussi. Voilà, au camping, là, quand t'as des genres de boules et tu dois les lancer sur des autres boules, je sais pas quoi. Ouais, ouais, c'est la pétanque. Ouais, voilà le pétanque. Donc j'étais au ping-pong. Tu vois, au ping-pong, au pétanque. En fait, ouais. Tu vois, j'étais au camping, en fait, si tu veux. J'étais au camping, on va faire simple, j'étais au camping. Ouais. Et devant le camping, on pouvait installer des trucs de ping-pong et tout. Et mon ouais. Père, il avait acheté des trucs de ping-pong. Donc alors, ouais. On se met devant la caravane, comme des gitans, tu sais, des petits gitans qui s'amusent. Ouais, ouais, je comprends. Et on s'amusait au pétanque. Sauf que juste en face, il y avait la voiture. Ouais. En fait, tu vois, tout droit, il y avait le pétanque, et ta gauche, il y avait la voiture. Une longue BM, tu sais, un break. Ouais, donc on commence à lancer. On commence à lancer des boules sur les boules. Et mon père, il me dit, Mathieu, fais gaffe, hein. Lance pas sur la voiture, hein, les boules. Donc là, c'est à moi de passer. Et là, tout ce que je fais comme un TD, je lance la balle et elle atterrit sur la voiture. Putain, mec, ce jour-là, j'ai cru que j'allais me faire niquer ma race, quoi. Non, mais je t'explique pas, mec. Et donc là, mon père me regarde. Il me regarde avec un air super sévère, tu sais, genre il va m'enculer. Ouais, donc, il va te niquer ta race. Je le regarde, je fais, papa, désolé. Il dit, rentre, on arrête de jouer. Un mec, j'étais mal. Et après, ces vacances, c'était le pire de ma vie. Regarde, je vais t'expliquer encore une autre histoire qui s'est passée dans le camping. Vas-y. Donc alors, quelques jours plus tard, je t'explique. Quelques jours plus tard, mon père... Il fait à manger, hein. Donc il fait des pâtes bolo, tu sais, au camping, ouais, des pâtes goûtées, là, pour manger vite fait, quoi, parce qu'on a besoin de manger, quand même. Bah, donc, on mange et tout, et mon frère, il était pas là. Il était parti chez un ami, tu sais, qui était au camping. Ouais. Il était parti dans le camping de mon ami. Donc alors, mon frère, il me dit, va chercher ton frère, on va, et ramène-le pour manger. Donc moi, je lui dis, écoute, papa, Sandro, il a été invité à manger. Et donc, il me dit, tu te mets ma gueule, j'ai préparé à manger pour tout le monde. Donc, alors là, mec, je fais quoi? Je cours, je vais chercher mon frère. Donc, c'est à l'autre bout du camping, donc, au moins 2-3 minutes. Ouais. Donc, j'arrive essoufflé en sueur là-bas. Et je dis, et c'était des Chinois. Je leur dis, voilà, Sandro, tu dois revenir vite. Et là, et moi, j'étais petit. Donc, la mère, elle me dit, bah, viens manger vite fait. Donc moi je fais quoi? Je vais m'en éviter. Donc elle me sert une assiette avec de la purée de jambon. Donc moi en 2-3 cuillères, je mange l'assiette en 30 secondes. Donc là je dis à mon frère que voilà, on doit rentrer à fond. Là mon père, il commence à nous servir et je dis à mon père, papa, j'ai déjà mangé. Et ben j'ai eu la raclée de ma vie. Il m'a niqué. Pourquoi tu l'as dit que j'ai déjà menti? Je sais pas, j'ai con.
T'es con. Et ton frère Sandro, il a dit quoi? Il a pas dit lui. Ah si, il a dit, on s'est fait niquer. T'as pas une autre histoire de la douche là? Non mec, je rigolais hein. Depuis tout à l'heure, je fais le con en fait. Hop. C'était marrant quand même, non? Ouais. Hop, il faut que je fasse comédien là, t'es mal. Je vais faire des vidéos sur GTA. Hein. Je vais faire des trucs comme ça, non? Oh. Ouais, fais ça sur YouTube, tu perces mon pote. Ouais, je vais essayer de faire ça, ça va prendre. Eh, si tu vois que bon, ça bah, perce. Quand mec, c'était marrant. En fait, tu vois, j'essaye de m'entraîner. Donc, ouais, ça va. Ah, tes blagues, ça va. Eh, tu m'as tué tout à l'heure, l'histoire de, du stream, mec. Du stream, tu déjà. Sinon, le stream, là. Non, pas. Ah, putain, t'as pas bon, on va dîner, que je te laisse, là, je vais aller dormir. Ouais, vas-y, bonne nuit, gros. Bonne nuit. Allez, ouais. On vient de se taper. Ciao. Ciao. Donc les gars, ça sera tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Attends, merde. Donc les gars, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un petit like. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Si vous êtes au courant, ciao.